Patrick! Oui? Sais-tu ce que c'est que la masculinité toxique? Oui? Je t'aime, Pat. OK? Je t'aime fort. Tu sais, t'es pas capable de me dire « je t'aime » en retour. Ah. Ça, là, ça va en dire beaucoup. Entre hommes, on a toujours de la misère à se dire les vraies affaires. C'est vrai. Moi, en fin de semaine, avant d'aller à sa fête... Tu sais qu'on s'en va. Hey, ah non, je suis laisse-moi aller. Je suis allé. Là, moi, je suis allé en fin de semaine à ta fête. Ouais. Juste avant, je vais faire garder mes enfants. Je suis un de mes chums. Et on est dans l'entrée, puis on se remémore tous nos beaux voyages qu'on a fait en pack-sac devant nos enfants. On a fait quasiment le tour du monde ensemble, moi puis Simon. C'est mon meilleur chum. Puis maintenant, on réalise que un moment donné, on était trois mois de temps dans le coin du Guatemala, Nicaragua et compagnie. Mm. Une affaire de hippie, de bocaracol, on puait les bartendes de la nature et tout. Le chanvre. Et on a réalisé que ça a pris à peu près 2 mois sur 3 avant d'être capable de se crémer le dos l'un l'autre. Ça a pris 2 mois. Tu sais que les filles sont capables d'être sur une plage puis se dire crème-moi le dos. Oui. Jamais toi puis moi, Pat, on va être à Caillou Largo puis je vais dire hey, fais-moi le bas du dos, Pat. C'est clair. Ça arrivera pas. Moi, le plus loin que je peux aller, c'est le spray. Oui, le spray, moi, t'as le spray. Mais te l'étaler dans le dos, j'ai de la difficulté avec ça. J'ai de la difficulté aussi avec le fait que deux filles sont capables de se donner un vibrateur dans une soirée. Jamais je te donnerais une flashlight en public, ça serait trop awkward. Exact. Jamais je pourrais frencher toi, Pat, parce qu'on est chaud d'ail, comme mon ex pouvait frencher une de ses amies de filles, la gueule mauve de vin, en faisant comme « Ah, oh, je t'aime tellement, Catherine! Toujours voulu embrasser les filles! » Jamais, toi pis moi, un peu chaud d'ail, on va faire « Ah, si on est premier pis deuxième dans le pool! » Ça arrivera pas. Là, Pat, c'est ta fête. C'est demain, ma fête. Non. Non. C'est la semaine de fête à Pat. Ah, j'ai décidé, Patrick, avec l'équipe au complet, de te gâter parce que tu nous as dit non. Non, pas de cadeau. Mais moi, j'ai décidé de t'en faire un à la hauteur de ce que t'es pour nous. Okay. Je tiens à te dire que je t'aime beaucoup, Patrick. J'adore faire de la radio avec toi. Et j'aimerais que tu décrives qu'est-ce que t'as devant toi. Ben oui. Quelle maudite niaiserie qu'il m'a fait. Hey, mais c'était carré. Qu'est-ce hein? que tu vois devant toi? Là, j'ai une immense boîte qui semble être une boîte de bouteilles de vin. Oui, bois, quelle marque? De Luca de Besso de Dante, d'Argentine. Sais-tu combien ça vaut, ça? Aucune espèce d'idée. Ça, là, c'est toute une équipe radio complexe qui est collectée pour toi. Juste la boîte, là. Juste la boîte. Ouvre-la. Dis-moi juste la boîte, c'est quoi à l'intérieur? Mais voyons ça. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Man's Squeeze Variable Pressure Ultra Skin Scrub. C'est quoi ça? Tournez de côté. C'est quoi? C'est quoi ça, Patrick? Je sais pas, ça a l'air d'un Soda Stream. C'est pas un Soda Stream, Patrick. C'est quoi? C'est quoi, petit? Tournez de côté la boîte. Je connais pas ça. C'est, excuse-moi, c'est tout en anglais. Mais c'est une affaire de femme. Hey, voyons, tu vois pas le dessin? Mais ça, tu comprends pas. C'est une flashlight, Patrick. Oreille, ça sert à quoi? Ça, c'est une niaise. C'est une flashlight. C'est pas une oreille. C'est une norme, Patrick. Oui, puis c'est pour ma blonde. Mais non, c'est pour toi. OK. Ça, là, c'est pour que tu te joues après. Mais voyons. Un homme a le droit de donner une flashlight à un autre homme à la radio. C'est là, c'est live. Tu connais pas ça. Tu connais pas ça. Non. Mais déballe-la, essaye-la de suite, là. Oui, ben, devant nous autres, pendant une toune, là. Mais oui. Mets-moi une toune. Pat va aller essayer ça. À l'intérieur de ça, t'as du lube et une petite poudre. Fait que là, la petite poudre, ça t'attend. Okay. Le lube, tu le mets à l'intérieur de la machine. Et là, avec ça, tu peux squeezer la suction que tu veux avec ta main. Là, la force de... C'est comme une flashlight ou un petit thermos pour ceux qui sont pas capables de figurer ce que c'est. Ouais. Et là, tu vas pouvoir te donner du plaisir avec ça, tel un millénial. Ouais, c'est... Je suis sans mots. Hein? Ben, merci beaucoup, Joe. La vérité, Pat, c'est que... On devait te la remettre à ta fête samedi soir devant tout le monde. Okay. J'avais averti ta blonde. OK. Mais quand j'ai vu tes amis, elle devait pas je me suis dit c'est pas le moment. C'est pas le moment. Fait que je me suis dit à la radio là, ça va être parfait. Wow. Ouais. Alors, messagerie texte, tous les garçons qui nous écoutaient en ce moment, on a le droit en boys de faire comme les filles qui s'offrent des jouets sexuels. Et là nous, ton équipe radio, on t'offre une flashlight pour que tu t'amuses, Patrick. Mon gars, je vais vous raconter tout ça demain. En détail, tu nous le racontes. Mais moi, je m'attends à un « je t'aime ». J'attends toujours le « je t'aime ». Joe, man, merci beaucoup, vraiment. Oui. Je t'aime. Merci. Oh, il l'a dit. Il l'a dit. Wow. Mais ça, c'est lourd quand même. Ah oui, c'est lourd. C'est lourd. Là, y a-tu des gens qui en ont sur la messagerie? Écrivez-nous messagerie texte si vous voulez conseiller Patrick sur comment utiliser sa belle grosse flashlight. Les meilleurs moments. Eh, boy, hein? Voyons. Mais voyons donc. Hein? Ça rentre pas, moi, là-dedans? Ben oui, ça rentre là-dedans. Oui. C'est stretch, là, ça.
Y a-tu comme une batterie qu'il faut mettre? Non, il n'y a pas de batterie. C'est pas de batterie. Là, tu commences de base. Là, que tu ne commenceras pas avec une Audi en partant. Là, c'est pas okay. une Cadillac. Là. Là, ça, tu mets un petit peu d'huile d'olive là-dessus. Ça n'a pas de maudit bon, ça. Tu peux te pratiquer pour autre chose aussi.